Et bonjour à tous. Alors, une petite vidéo, un tout petit point, un point confinement, n'est-ce pas? Je vous fais cette petite vidéo pour vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Il s'avère que le confinement a été reconduit jusqu'au 15 avril pour le moment. Voilà, certains pensent que ça durera peut-être un peu plus longtemps, donc plusieurs choses. D'abord, je vais répondre à une question, la question qui préoccupe beaucoup d'entre vous, qui nous l'ont beaucoup posée en commentaire, on y répond régulièrement. Est-ce qu'on a encore des épisodes dans la besace? Oui, on a encore des épisodes dans notre besace. On en a pour jusqu'au 16 avril. On a encore 3 épisodes à diffuser. 3 épisodes, c'est pas énorme, mais ça pourrait peut-être faire la blague. En tout cas, quoi qu'il en soit, même si le confinement devait être encore rallongé, nous, on a aussi 2-3 petites choses en tête. D'abord, on a d'autres choses, on a, vous le savez, le One Shot My Little Pony, on a quelques autres vidéos qui sont prêtes, donc on peut continuer à diffuser le jeudi soir comme d'habitude, même si ça va mettre un petit peu de délai sur la campagne de Roll and Play, mais quoi qu'il en soit, on fera en sorte d'aller au bout de cette campagne et que cette campagne soit terminée fin juin. Ça, on a pris cet engagement, on espère que pour le 18 juin et notre live de fin de campagne, on sera sorti du confinement. En tout cas, on va tout faire pour faire en sorte que le 18 juin, on puisse faire notre live. Voilà, ça, c'est la première. 18 juin, ou peut-être une semaine plus tard, on verra, ça dépend. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est importante, c'est que, eh bien, en ces temps de confinement, la créativité est quand même encore un petit peu là. Donc, en fait, on a décidé d'essayer de nouveaux formats. Alors, pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous avez vu que je fais actuellement une vidéo par jour. C'est un jour, un jeu, où je présente des jeux de rôle, des vieux jeux de rôle, des jeux de rôle moins vieux, que j'apprécie, que j'aime. Voilà, et en 15 à 20 minutes, grosso modo, j'essaie de faire le tour du jeu, le tour de la gamme, assez rapidement, dire pourquoi j'aime, ses forces, ses faiblesses. Souvent ses forces, parce que c'est des choses que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, donc on a décidé qu'on allait rapatrier ces vidéos de Facebook à la chaîne Roll and Play. Donc elles vont arriver sur la chaîne Roll and Play. Je vais essayer de garder le rythme pendant le confinement, un jour un jeu. J'utilise ma ludothèque qui a la chance d'être expansive, donc extensive. Donc du coup on a encore plein de jeux devant nous, j'ai encore plein de trucs dont je peux parler. Des fois ce sera peut-être des choses un petit peu plus obscures, mais en tout cas ce sera toujours des jeux que j'apprécie. Il y a assez peu de jeux que je n'apprécie pas dans ma ludothèque, je l'avoue. Voilà, donc ça c'est la première chose. Mais on a d'autres idées, d'autres choses qui vont se mettre en route. Pour l'instant, je peux pas vous dire exactement quoi, mais ça devrait arriver. On va faire des tests, on est confinés tous chez nous, donc on va utiliser le matériel qu'on a, voire peut-être se fournir un peu de matériel supplémentaire, et puis faire quelques tests avec de nouvelles pastilles, de nouvelles émissions. Tout le monde est sur le pont pour ça. Des pastilles de Sébastien, des pastilles de Chloé, des pastilles de Mélie, des pastilles de Juliette même. Voilà, pourquoi pas. En tout cas, on est en train d'arranger ça, et on va le commencer pendant le confinement, depuis chez nous, et puis si ça marche, si vous appréciez, si vous aimez, si vous avez envie qu'on continue, eh ben, on fera en sorte de continuer tout ça sur la chaîne Roll and Play en studio, parce qu'on espère que ça vous plaira. La deuxième chose qui est importante, c'est qu'on a d'autres émissions aussi qui se mettent, plus que des pastilles, on a d'autres émissions qui se mettent en route, voilà. Donc même chose, on va commencer à les tester un petit peu, tester le format un petit peu en confinement, puis ensuite on verra ce que ça donne et si vous accrochez. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a ouvert une chaîne Twitch. Le lien de la chaîne Twitch est dans la description, en dessous de la vidéo. On a ouvert une chaîne Twitch sur laquelle on va retransmettre en direct. Alors, pour le moment, tant qu'on n'est pas partenaire Twitch, qu'on n'a pas de contrat, machin, etc., pour le moment, on est totalement libre de ce qu'on fait, donc on va diffuser nos lives sur Twitch et sur YouTube, les deux. Ils seront en même temps, en simultané sur les deux. Donc, quand on est en live, on sera en live sur YouTube et on sera en live sur Twitch. Ça, c'est important. On gardera de toute façon la chaîne YouTube, ça il faut le savoir, hein, on la gardera parce que d'abord toutes les émissions préenregistrées on ne peut pas les diffuser sur Twitch, en tout cas c'est une organisation qui est vraiment trop imposante pour nous, il faudrait qu'on ait quelqu'un aux manettes en fait en permanence pour lancer les diffusions et lancer les streams puisque Twitch est une plateforme live, donc du coup tout ce qui est préenregistré va rester sur YouTube, tout ce qui est en live à terme est à vocation d'aller sur Twitch, mais surtout, ce sera ensuite en rediffusion sur YouTube. YouTube va devenir de toute façon notre chaîne qui contiendra aussi tout notre contenu, donc aussi le replay des lives, même si vous n'aurez pas du coup le chat ou ce genre de choses.
Dernière chose, et non des moindres, à partir de mardi. Mardi 20h30, en live, on est avec toute l'équipe, par caméra interposée certes, mais avec toute l'équipe, on va lancer une mini campagne de confinement, un genre de roll and play lockdown, voilà, une mini campagne de confinement qui sera du Chroniques oubliées Cthulhu, voilà, mardi soir 20h30, c'est la session 0, c'est la session de création de personnages. Et puis ensuite, eh ben, on vous donnera rendez-vous régulièrement pour quelques parties, en tout cas le temps que ce confinement se termine, et nous, on jouera une grande aventure Cthulhu. Et puis, qui sait, si jamais ça vous plaît, si jamais le format vous plaît, et si jamais nous, on a envie de continuer un petit peu à faire ça de temps en temps, eh ben qui sait, peut-être qu'on pourra aller un petit peu plus loin et puis le faire de manière plus régulière. On ne sait pas, ça dépend de vous. Ça dépendra de vous, ça dépendra du succès. Donc n'oubliez pas, ce sera en live sur YouTube et sur Twitch en même temps. Vous pourrez nous voir sur l'un et sur l'autre. Les deux chats seront ouverts. On sera sur les deux chats. Par la magie de la technologie, nous pourrons être sur les deux chats à la fois. Et puis voilà, on essaiera un petit peu. Alors nous, on va créer nos personnages, ce sera la session 0, donc création de personnages, présentation de l'époque dans laquelle on va jouer, etc. Et puis du point de départ des personnages. Et puis on pourra un petit peu discuter avec vous, peut-être éventuellement ensuite, si on a un peu de temps, si on reste, si les gens ont envie de poser, si vous avez envie de poser des questions, les gens, c'est vous. Oui. Et puis si nous, on a encore un petit peu de temps derrière. En tout cas, on est très très impatients de lancer ça. Ce sera pas sous Roll20, ce sera pas. On va le faire en pure caméra webcam vocale. Hein, ça va rester du JDR. Classique, absolument pas du JDR sur plateforme de JDR virtuel, donc ni Roll20, ni Fantasy Grounds, ni plateforme de ce genre-là. Peut-être, si le format plaît, et si on lance d'autres choses comme ça un jour, éventuellement, peut-être, mais là, pour le moment, c'est pas du tout le cas, c'est vraiment histoire de vous proposer du contenu et vous amuser pendant la période du confinement, et puis on espère que ça vous plaira, et on vous donne rendez-vous, donc mardi 20h30, sur Twitch ou sur YouTube en live. Ce sera bien évidemment ensuite en replay sur YouTube, bien évidemment. Et derrière, on a les autres émissions qui vont arriver. Je pense qu'on va essayer de mettre ça en place assez rapidement. D'autres émissions, et on vous en redira plus incessamment sous peu. Voilà, oh, ça c'est une vieille expression de ma grand-mère. Incessamment sous peu. Expression 1932. Voilà, écoutez, sur ce, je vous dis à mardi soir, parce que c'est moi qui ferai MJ, donc à mardi soir, et puis à très bientôt sur la chaîne de Roll and Play pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, ciao.